Alors de Peter Sagan sur la tête de la course, mais le grand retour du col de Turini dans le Tour de France, puisque c'est la première fois que ce col est escaladé depuis 1973, pour être précis. Et Google a toujours envie d'accélérer. Hein. Oui, le grand coureur autrichien de l'équipe NTT Pro Cycling Team. Voilà le groupe de tête qui s'est reformé avec Casper Asgreen, Anthony Perez, Tom Skuyn, Benoît... La Bolène Vésubie, bien connue des amoureux du rallye de Monte-Carlo, évidemment, c'est un passage obligé avec, vous l'avez aperçu, cette église Saint-Laurent qui a été complètement reconstruite en 1887, encore une fois après un tremblement de terre. Ce qui veut dire que 1564, 1644, 1887, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre qui, dans toute cette vallée de la Vésubie, ont causé des dégâts. On fait aussi à plusieurs reprises des morts, bien sûr. Hein. On est juste au pied du col de Turini, bien sûr. Le col de Turini, escaladé à trois reprises dans l'histoire du Tour de France, en 1948, en 1950 et en 1973. Et donc...